rendez-vous compte de l'ampleur de mon obstination? Oui. Oui. Je dois l'empêcher, lui, de te créer toi. Mais je ne peux pas le tuer parce que je me tuerai aussi. Je ne peux donc que te tuer, toi. Yon. Tu viens de sauter sur le tyromatique tricheur. Assistant, allez! Arrête ça! Accepte simplement la non-existence. Tyromatique, feu! Qui rôtissent. Je pourrais tout faire sauter. Oui, tout ton monde est de travers. C'est parti.
J'ai dû prendre un coup dans le lobe temporal. Mais un adversaire à terre, ça ne peut signifier qu'une chose. Il est venu se battre et j'ai gagné. La première chose que mon nouveau général va faire, c'est se débarrasser de toi. Nous sommes plus près que jamais. Vite, dans le vortex. Prédateur Cortex, le vortex n'est pas prêt. Nous n'avons aucune idée de ce qui va se passer. Encore un échec. Tout s'explique. Restez. Qu'est-ce que vous allez me faire? On dirait que quelqu'un a besoin d'aller se calmer quelque part où il ne pourra pas causer de problème. Profite bien de la fin de l'univers. Le resto Dingo est de retour pour vous. Découvrez mes plats délicieux, inspirés par mes voyages interdimensionnels. Profitez du vent avec notre nouvelle salle de restaurant à seulement 3 murs. Resto de Dingo, pour la santé et la sécurité, notez D. Comme délicieux. Attention, D signifie que le restaurant ne respecte pas les normes sanitaires et non pas délicieux. Ah, enfin tranquille. Oh, on y est presque. Allez, ouais. Ouais. Crash, à toi. 5, 4, 3, 2, 1. Ceci est une œuvre de fiction. Toute ressemblance avec de véritables marsupiaux, masques parlants, hybrides dingo-alligator ou savants fous à tête bizarre, vivants ou morts, serait purement accidentelle. Vous n'auriez pas dû jouer à ce jeu si vous souffrez de allergie aux Wumpa, urticaire liée à Crash, peur des dimensions alternatives, peur des plateformes mouvantes, peur des plateformes fixes, peur des suites, peur des bruits d'écrabouillement, peur des bruits de rebond, peur de la super science, peur de la collecte de choses, peur de la nostalgie des années 90, incapacité à comprendre les paradoxes temporels, incapacité à pardonner à ceux qui vous ont fait du tort, incapacité à choisir un restaurant quand on vous demande ce que vous voulez manger, incapacité à vous souvenir où vous êtes garé ou estomac délicat. Pour en savoir plus sur les Bandicoot et leur régime alimentaire, leur habitat, leur vie en communauté, leurs idées de cadeaux d'anniversaire et leurs pointures, allez dans votre bibliothèque ou demandez à votre grand-mère. Je ne sais pas si elle s'y connaît beaucoup en Bandicoot, mais elle est très sage et elle appréciera d'avoir de vos nouvelles. Les créateurs de ce jeu ne soutiennent en aucune façon le resto de Dingo, dont on sait qu'il provoque des coulées transdimensionnelles, des failles intestinales, des toux de Wumpa, des bubons parasitaires gélatineux, des téléportations aléatoires dans des lignes temporelles sombres, en plus de provoquer des miaulements de chatons incontrôlables pendant les réunions d'affaires importantes. Toute présentation, distribution ou copie illégale de ce jeu donnera lieu à un gros chagrin. Et pourquoi voudriez-vous nous causer du chagrin? Nous avons toujours été gentils avec vous. On a même dit que votre nouvelle coupe de cheveux était super alors qu'elle ne vous allait pas du tout. Les invités de Crash Bandicoot résident dans les suites de la plage Insane, le rondin avec un peu de mousse dessus. La mousse est très agréable, vous devriez passer une bonne nuit. Quoi, vous êtes trop bien pour dormir sur un rondin? Désolé, votre majesté, vous voulez aussi un petit déjeuner à l'anglaise plutôt qu'une poignée de fourmis dans le nid et sous le rondin? Certaines personnes ne sont jamais contentes. Vous pouvez me donner une minute? Ok, je suis prêt à repartir. Les événements décrits dans ce jeu sont 100% officiels, sauf si vous n'avez pas aimé, auquel cas tout ceci n'était qu'un rêve.